au lieu de s'asseoir avec les autorités haïtiennes pour discuter de la réparation et le dédommagement des victimes, ont préféré de minimiser l'affaire en parlant plutôt de la responsabilité morale de l'ONU de la propagation de cette maladie en Haïti. Mais quelle est cette histoire? C'est le même comportement qu'avait affiché l'ex-président français lors, je me rappelle, lors de son passage en Guadeloupe, M. François Hollande, dans ses propos, a reconnu que l'argent versé à la France en 1825 pour payer le soi-disant dette de l'indépendance était injuste. Et de sa bouche, il avait pris l'engagement en disant: quand je viendrai en Haïti, j'appellerai à mon tour la dette que nous avons. Et tout le monde le sait qu'Haïti est l'un des rares pays où les esclaves ont arraché leur liberté. Ce n'était pas un cadeau de la France à Haïti. Ce n'était pas aussi non plus un deal entre les esclaves et les colons. Et de quelle dette? Et par la suite, il a rectifié en essayant d'apporter des explications fantaisistes, avouant que la dette qu'ils avaient promise d'acquitter est d'ordre moral. Mais pourquoi moral? Puisque nous avons fourni de la valeur en espèces, en numérique et non en éthique. Que cette page de colère, à cette assise, soit ouverte et relue pour une satisfaction, pour que satisfaction soit apportée à ce mal que la MINUSTAH nous a infligé. À ce carrefour, Monsieur le Président, le Parlement haïtien, membre de la CP, réclame le support de tous les pays membres pour qu'enfin justice soit rendue à qui elle est due. Chers collègues de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, l'ACP ne doit pas être qu'un organe de relativité aux valeurs morales, aux droits humains, ni un instrument sensible de l'ONU pour se mettre des pièges malentendus ouverts à la démocratie et au développement. L'ACP se doit aussi d'être un miroir d'alternatives communes aux nations qui adhèrent. Nous sommes amplement conscients des efforts déployés par nos collègues de l'ACP qui, eux aussi, ont leur lot de thématiques à traiter. À nous autres d'amplifier nos efforts pour la pleine et entière réussite des objectifs fixés. Monsieur le Président, la 48e session, maintenant en pleine instance, nous souhaitons vivement que les travaux et les résolutions qui en découleront fassent l'édification de tous les participants. Que la tenue de cette assise parvienne à combler la vacuité de nos attentes pour le plein épanouissement des dignitaires de cette session. Puissent nos bonnes intentions rencontrer une volonté avérée de changer ce qui peut être changé. Je vous remercie. Réaliser ACP en Haïti, ACP IE, et c'est un gros événement. Et nous toujours dit que Haïti sont terre d'accueil, un pays d'histoire. Et il y a plusieurs collègues parlementaires ACP qui disent tout. Ils reconnaissent que Haïti est son pays qui c'est porteur de liberté, ou encore c'est la mère de la liberté. Et je dis à nous, à accueillir ACP avec une satisfaction énorme. Je pense que ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais c'est tout Caraïbes blanc, pour ne pas dire toute l'Amérique blanc qui peut recevoir ACP à travers Haïti. Je pense en tant que membre ACP, et je dis à nous-mêmes, le travail que nous avons fait, un ensemble de travail et préparatoire qui était fait pour au moins nous arriver à Jodia. Si nous prenons le 13, nous avons un travail commission que nous avons fait. Et hier, nous avons gagné un bureau qui a
travail bureau ACP. Et je dis à ce lancement officiel là, je pense que c'est satisfaction pour toutes et pour tous. Nous avons gagné toute couche société à là, tu as gagné pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, qui c'est nous même d'ailleurs, que nous pas de cap à là. Et nous avons gagné pouvoir judiciaire là, tu as gagné un pile monde dans la société civile là, ça permet au moins nous sentir son réussite totale et n'a continué pendant toute semaine là. D'ailleurs, lundi qui va 16, c'est ACPIE et je pense que c'est deuxième ouverture pour ACP. Alors c'est ouverture. Alors le 16 même, le 16 c'est pour, alors 18 c'est pour lancement ACPIE. Je pense que c'est tout un travail pour bien-être communautaire et on a profité de tout le monde. Ping a oublié, dimanche c'est visite village Noailles, côté nous allons visiter ensemble de travaux, sculptures, travaux d'art que nous réalisons dans la commune Croix-des-Bouquets. Et je pense que c'est toujours ACP et nous-mêmes nous disons que ACP il doit quitter un bagage dans la bouche tout le monde et qui vous permettre au moins chaque monde comprendre. Je dis à Haïti pas qu'à faire bac, mais Haïti c'est pour nous aller vers là. Avec un sentiment d'honneur et de fierté patriotique que nous recevons et qu'aucun chaîne d'événement ça en Haïti qui c'est 4e, alors excusez-nous, 48e session Assemblée parlementaire paritaire ACPIE. ACP d'abord et ACPIE. Et on connaît que Haïti, en fait, son pays qui fait un peu l'événement sur le plan politique, sur le plan historique. Donc, avec événement ça, qu'aucun chaîne événement ça, certains étrangers, certains pays amis de l'ACP et de l'ACPIE, ils apprennent à découvrir Haïti. Haïti qui c'est, nous pas cesser de dire, nous pas suspendre de dire, qui c'est une terre de liberté, qui c'est la première république noire indépendante du monde. Donc ça avec un sentiment, on a pu dire, un sentiment de fierté, d'honneur et on a dit de satisfaction que nous accueillons un tel événement en d'un pays. Son événement, et quoi que il y ait un cours de réalisation qui est sur la voie, n'estimé, qui est sur la voie de la réussite. Parce qu'il y a eu au départ et un très bon planning, tu as gagné toute ton série de dispositifs qui mettaient en place au point que gagné des représentants en fait, des pays ACP et de l'Union européenne également, qui déclaraient en fait, avoir éprouvé un sentiment et de satisfaction du fait de l'accueil qui leur est réservé. Je suis heureux d'être ici en Haïti. Je suis venu de très très loin pour assister à cette conférence, à cette session des ACPUE. Et particulièrement, je suis venu avec un grand cœur en Haïti en disant merci à l'organisation de l'Assemblée nationale, du protocole des affaires étrangères de Haïti, qui nous a fait, qui nous a reçus avec beaucoup d'honneur. Et nous sommes battus pendant 4 mois pour que cette session ait lieu en Haïti. De par toutes les problématiques qu'on entend à l'extérieur sur Haïti, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les problèmes de sécurité ou que ce soit les problèmes de typhons et des problèmes de changement climatique, je pense qu'en Haïti, il y a des hommes et des femmes très très forts qui peuvent organiser un événement de ce type-là. Certains disaient que ce n'est pas possible d'organiser en Haïti, mais moi, nous, en pensions avec mon collègue Cyprien, député délégué de Haïti, on pensait fortement que les ACP pouvaient avoir lieu en Haïti, au Port-au-Prince particulièrement. Je suis particulièrement content de tout l'accueil et de tous les efforts, que ce soit au niveau sécurité, au niveau de la logistique, au niveau de tous les paramètres que Haïti a mis en place pour pouvoir nous recevoir dignement. Je remercie le peuple haïtien, je remercie le peuple et les organisateurs et l'ensemble des organisateurs de ce pays formidable. La terre des libertés, l'île de la liberté. Et tous ces éléments-là font que Haïti soit
grandi, restera grandi à travers toute cette organisation. Je suis venu de Djibouti. Laisse-moi vous introduire Djibouti. Djibouti, c'est en Afrique de l'Est. Je représente les Djiboutiens de par le monde. Et je représente aussi toute l'Afrique en disant que les Africains et les Haïtiens ont les mêmes racines. Ce n'est pas parce que pendant 500 ans, il y a eu l'esclavage, ça ne nous a jamais séparés. On est toujours connectés, même si les racines ont été coupées, mais on est connectés avec nos cœurs et avec notre esprit. On est connectés toujours ensemble et on sera toujours ensemble et on va avancer ensemble. C'est de la joie pour moi d'être d'abord ici, parce que je suis venu très loin de l'Afrique et particulièrement du Tchad. Nous avons quand même fait l'Europe, nous avons fait des pays africains, mais nous avons écouté l'histoire d'Haïti. Mais aujourd'hui, ça nous fait quand même de la joie d'être ici et vivre la réalité avec nos peuples autochtones, nos peuples haïtiens, qui sont nos frères, qui sont déportés de là-bas pour être ici. Et ça nous fait de la joie. Tout à l'heure, quand nous suivons la déclaration du président des chambres, ça me fait vraiment bouger le cœur. Et il faut des hommes comme ça, des hommes capables, des hommes dynamiques, qui ont la détermination et qui ont cette vision de voir les choses, dans la mesure où les Européens nous prennent comme si nous sommes un peuple démuni, un peuple des sous-hommes. Mais non, nous sommes aussi valeureux et qu'ils peuvent aussi nous considérer. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre Haïti et votre pays? C'est l'ACP, c'est les relations des Africains. C'est cette relation qui nous amène ici. Si c'est pas ça, nous ne pourrons pas arriver ici. Ce sont des décisions qu'il faut se mettre ensemble en pays africain pour pouvoir décider et faire valoir maintenant nos valeurs aux pays européens. C'est une très grande fierté pour moi que de me retrouver à Haïti. C'est un pays très courageux, c'est un pays que nous portons dans notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de Haïtiens qui vivent au Cameroun. Et après la catastrophe, les catastrophes qui sont arrivées dans ce pays, je vois un peuple debout, un peuple qui se relève. Et je suis fier qu'on ait pu, que cette conférence ait pu s'organiser ici, sachant qu'il y avait des réticences où les gens se disaient « Oui, mais est-ce que Haïti le pourrait ?» Mais je crois pouvoir dire que depuis que j'assiste à toutes ces réunions des ACP, je peux dire que j'éprouve vraiment un sentiment de très grande fierté pour les organisateurs. Alors, cette réticence, c'est de la part des dirigeants, des membres de l'ACP. Qu'est-ce qui serait à la base, d'après vous? Écoutez, vous savez, vous êtes des hommes de médias. Vous savez très bien que on ne véhicule généralement que le mauvais côté de certains pays. On ne véhicule que le mauvais côté de l'esprit d'un pays. Mais je crois que l'histoire de Haïti, qui est une très grande histoire, qui, si l'on remonte aux temps anciens, on remonte à Christophe, on remonte à Dessalines, etc. Vous savez que c'est un pays qui est toujours apparu comme étant un pays torturé. Et avec les catastrophes qui sont arrivées, la mauvaise presse qui se fait, où on vous dit qu'il n'y a que des mendiants dans ce pays, où l'on vous fait croire que rien n'est fait dans ce pays, mais je vous dis personnellement, je suis heureux de pouvoir voir que le contraire, le peuple haïtien a su prouver le contraire. L'ambassade des États-Unis et de l'AMCHAM, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre traditionnel cocktail de Noël. Je me réjouis de voir les leaders des secteurs privés et publics rassemblés ici ce soir. Votre présence dénote bien les liens forts existants entre Haïti et les États-Unis. Plus important encore, cette union des secteurs publics et privés constitue la fondation sur laquelle Haïti pourra bâtir son avenir. Vous pourrez toujours compter sur les États-Unis pour être à vos côtés
tout au long du trajet. Madame et messieurs, cette soirée organisée par l'AmCham marque pour moi le début de la saison de fête. C'est une période de rassemblement et de joie. Un moment pour rire et pour se divertir avec nos familles et nos amis. Mais c'est aussi une période de réflexion sur l'année qui s'achève. Je profite de l'occasion pour saluer le nouveau conseil d'administration de l'AmCham, si dynamique. Comme en témoigne leur collaboration le mois passé avec le CFI, l'USAID et la section économique et commerciale de l'ambassade des États-Unis, pendant ce roadshow, ils ont pu visiter 3 chambres de commerce de la diaspora aux États-Unis en vue d'augmenter les investissements en Haïti. Ce roadshow a eu pour objectif de montrer aux investisseurs de la diaspora qu'il nous faut passer des relations personnelles aux liens institutionnels, surtout dans ce moment où nous sommes confrontés à la réalité qu'Haïti doit absolument avancer « from aid to trade », qui veut dire « de l'aide au commerce ». Dans ce cadre, il y a toujours du travail à faire. Et comme le dit souvent mon conseiller aux affaires économiques, Alan Krauss, nous avons besoin de 3 choses. Vous savez ce que les 3 choses sont? Jobs, jobs, jobs. Emploi, emploi, emploi. En 2017, nous avons connu une croissance économique modérée, mais nous sommes encore loin du niveau potentiel optimal. Nous devons donc continuer à faciliter la création d'emplois et l'autosuffisance économique en Haïti, car il existe de grandes possibilités de croissance, en particulier dans le secteur agricole. La semaine dernière, l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec l'AmCham, a organisé le 3e forum annuel sur l'agroalimentaire au cours duquel ils ont discuté des moyens de moderniser le secteur agricole et de promouvoir le développement agricole durable en Haïti. Plus de 130 personnes ont répondu à l'invitation et les participants se sont engagés dans de sérieux débats autour du thème « La modernisation de l'agro-industrie, clé du développement agricole durable en Haïti ». Les participants ont souligné la nécessité de faire la promotion de ce type d'activité qui leur a permis d'explorer des opportunités d'affaires avec des investisseurs américains qui ont activement participé à ce forum. Nous devons développer nos entreprises pour inclure les professionnels qui peuvent également influencer positivement ces réformes, tant entendues de manière transparente. Pour la première fois, le conseil d'administration de la AmCham, en partenariat avec l'ambassade d'Haïti à Washington, a fait un voyage de plaidoyer dans la capitale américaine pour partager notre stratégie, nos points de vue et notre engagement institutionnel envers le secteur des affaires en Haïti, directement avec les meneurs de politique publique de la communauté internationale. Nous avons reçu 2 messages importants à travers toutes les réunions que nous avons eues. Premièrement, la diversité et la jeunesse de ce conseil sont prometteurs pour le changement nécessaire des affaires en Haïti. Et deuxièmement, finalement, nous entendons le secteur privé haïtien avec une vision commune qui est réelle. Je leur ai dit, parlez comme nous, AmCham, faites commencer à agir. Avec 30% du PIB provenant de la diaspora, ils jouent un rôle clé dans notre économie et nous avons besoin d'eux comme investisseurs prospères. Fort de ce constat, en novembre dernier, nous nous sommes associés au CFI et à l'ambassade des États-Unis pour présenter les meilleures pratiques, les opportunités d'affaires, mais surtout pour encourager une approche institutionnelle des investissements.
Les investisseurs de la diaspora ne devraient pas compter uniquement sur des contacts personnels et familiaux, alors qu'il y a trois institutions clés détentrices de systèmes en place pour faciliter les investissements. Le bureau exécutif et les comités de la AmCham travaillent avec diligence sur les efforts de plaidoyer pour prendre les positions publiques stratégiques pour les affaires. Cela prend du temps, mais c'est ce qui aura un impact à long terme. Avec la restructuration interne, l'année 2018 sera très fructueuse et nous espérons que vos entreprises saisiront les nombreuses opportunités qui vous seront présentées. Nous voulons votre engagement tous à être des game changers en 2018. Si vous êtes avec la AmCham ici aujourd'hui, c'est parce que vous croyez en votre entreprise et l'avenir de votre famille en Haïti. À la AmCham, nous défions en effet le statu quo et déterminons comment avoir un impact à plus long terme grâce à nos activités. Pendant de nombreuses années, au cours de ce cocktail de Noël, nous avons émis plusieurs chèques à des organismes de bienfaisance. Cette année, nous avons décidé de faire quelque chose avec un peu plus d'impact. Notre ancien comité de RSE, CSR, s'est aujourd'hui transformé en un comité de développement durable. Malheureusement, cette année, plusieurs entreprises ont souffert d'incendies ou ont été gravement touchées par des catastrophes naturelles. Nous savons trop bien à quel point nous sommes vulnérables aux intempéries et souffrant de l'absence des services d'urgence. Nous avons trouvé une solution très intéressante pour adresser cette faiblesse. Au cours des 10 dernières années, une organisation du secteur privé s'est concentrée sur la continuité des activités des entreprises. Connaissez-vous la GERCA? Elle a été créée en août 2007 grâce au soutien de la Fondation panaméricaine de développement, PADF, un partenaire de longue date de la AmCham. Aujourd'hui, la GERCA est le pont entre la direction de la protection civile et le secteur privé en cas d'urgence et apporte un soutien aux entreprises avec des plans de prévention, de sécurité et de continuité des activités pour les rendre plus durables. Nous avons le président et le secrétaire du conseil d'AGERCA avec nous ce soir. Maintenant, nous annonçons que l'AGERCA sera notre partenaire stratégique pour notre politique de développement durable. Dans ce partenariat, AmCham disposera désormais d'un expert qui jouera un rôle clé dans sa quête de sensibilisation, de promotion et d'appropriation de la gestion des risques, de la continuité des activités, de l'approvisionnement local et de la bonne gouvernance et de la transparence. En un mot, durabilité. Et voilà, changement de paradigme. We just changed that game. Et un petit mot de remerciement pour les Star Game Changers ce soir, nos sponsors. En ordre alphabétique, nous avons ADECO, AIC, la Brasserie Nationale d'Haïti, Caribbean Food Manufacturers, Delta Airlines, Enmark Holder, E-Power, Hôpital Adventiste d'Haïti, Sogebank, Sol Petroleum, Strategis, Transversal et Unibank. Comme on est en période de fin d'année, je terminerai en adressant, au nom du conseil et de toute l'équipe de la AmCham, un joyeux Noël et les vœux les meilleurs pour 2018 à chacun de vous et surtout à notre cher Haïti. Nous avons préparé un panier d'une entreprise de AmCham qui s'appelle Papillon, qui a des choses bien qui vont vous intéresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Cette année, nous avons mis en place 22 actions de coopération. J'y ajoute bien sûr les séminaires dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le crime organisé en région de Caraïbes, le programme Alcorca, auquel les policiers haïtiens participent régulièrement. Nous avons fait de nombreuses actions en République dominicaine. Nous avons fait un séminaire dont vous avez honoré l'ouverture, monsieur le directeur général, sur la criminalité transfrontalière au mois de mars en Haïti. Nous avons fait des séminaires en Colombie et chaque fois les Haïtiens m'ont répondu présent et je voudrais vous remercier de la qualité des policiers qui participent à l'ensemble de ces actions par leur dévouement et leur engagement total. Donc, monsieur le directeur général, la formation en 2007, je vous dis, c'était à peu près une vingtaine d'actions pour former à peu près 600 policiers auxquels, comme je disais, on essaie le plus souvent d'adjoindre d'autres administrations puisque on souhaite mettre une synergie entre l'ensemble des acteurs concourant à la sécurité et à l'Haïti. Je dois déjà vous dire que l'année 2018 partira sur de bonnes augures puisque nous avons déjà programmé en janvier une formation à la gestion de crise par un commissaire légionnaire venant de France, non spécialisé à l'international et dans ce domaine. Ça devrait se tenir, un courrier est parti à votre cabinet, ça se tiendra donc à l'académie en janvier. Et nous reprenons une formation pour le BLTS fin janvier sur les logiciels de gestion des données téléphoniques, dont la France sera toujours aux côtés de la PNH, qui est quelque part, on considère la police nationalité, la police nationale d'Haïti, un peu la fille de la police française. Merci, monsieur le directeur général, pour votre confiance. Merci pour votre présence, ce qui démontre le prix que vous attachez à notre coopération. Et merci à tous et bon courage à nos stagiaires qui vont montrer l'apport de la coopération française. En dépit de mes multiples occupations et préoccupations, je me fais le devoir d'être parmi vous ce matin parce que je pense que cela valait la peine. En effet, notre police se redéfinit chaque jour pour s'adapter aux nouveaux défis et prendre une option confirmée pour ce professionnalisme que nous rêvons tous. Mesdames et messieurs les stagiaires de CIMO, mesdames et messieurs les agents frères émoulus de CIMO, en vous réitérant ma ferme volonté d'encadrer ce corps, je voudrais contextualiser cette formation dans une logique globale de renforcement du respect des droits de la personne humaine et une sensibilisation au respect des valeurs démocratiques qui doivent traverser la police nationale d'Haïti en tant qu'institution endossant une lourde responsabilité dans les fonctions régaliennes de l'État. En ma qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti, j'ai toujours rêvé que nous ayons une police professionnelle. C'est vrai que le premier outil du professionnel, c'est la connaissance. Mais à quoi cela sert l'aptitude si l'attitude va tout gâcher? C'est justement pour régenter les comportements que cette formation a eu lieu. Dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, la répétition est même souhaitable parfois pour s'assurer que tout est compris. En ce sens, nous souhaitons la duplication de ce type de formation. Nos unités spécialisées sont en première ligne dans la gestion des manifestations de rue. Il est donc logique qu'on leur donne des compétences professionnelles en même temps qu'un rappel des notions les plus utiles du droit et du respect des droits humains pour réduire les risques de gaffes et leurs conséquences fâcheuses. Agent du CIMO, vous avez suivi un cours sur les techniques d'intervention et la gestion démocratique des foules, sur les droits humains. C'est justement pour vous dire que dans les régimes démocratiques, il y a une manière de gérer les foules.
le temps de la répression des émeutes est révolu. Aujourd'hui, c'est justement parce que les choses diffèrent qu'on a choisi de changer les appellations. Les réalités du terrain seront à peu près les mêmes, mais les approches doivent être différentes. Cette tendance se propage un peu partout. Nous devons suivre le temps et nous mettre au diapason. En tant que personne chargée de présider cette cérémonie de passation de commandement, je vous remercie d'être venu y participer. Mesdames et messieurs, nous, policiers, nous sommes des missionnaires. En ce sens, nous sommes prêts à nous rendre où le devoir nous appelle. Au nom du directeur général de la PNH et en mon nom propre, je remercie le commissaire divisionnaire Alain Auguste qui, durant son passage à la tête de la direction départementale de l'Ouest, a fait de son mieux. Et parfois dans des conditions extrêmement difficiles pour s'acquitter de sa mission. Aujourd'hui, il va continuer à servir le pays, son pays, au sein de la police nationale d'Haïti à un autre niveau. Je vous présente, monsieur le commissaire divisionnaire, mon ami Alain Auguste, mes félicitations et je vous dis bonne continuation. Mesdames et messieurs, en cette circonstance, le directeur général de la PNH a jeté son dévolu sur le commissaire divisionnaire Berson Soljour pour prendre la tête du commandement de l'Ouest. C'est un cadre de la PNH rempli d'expérience. Il a occupé plusieurs postes de commandement et les derniers en date sont l'Antibonite et la Grandance au même titre. Et je remercie tout un chacun, spécialement mon adjoint Alex, ainsi que les commissaires de la juridiction de l'Ouest pour les 9 mois passés ensemble. J'en profite également pour demander au DCPA de dire merci au commandement de la PNH pour les 9 mois passés ensemble à gérer le département. Donc merci à la presse, merci à mes amis et merci aux différents collaborateurs. On va se retrouver bientôt, peut-être dans un autre poste, mais quand même dans la vie. Merci beaucoup. Je me sens très honoré et fier du choix qui a été fait de moi pour occuper la fonction de directeur départemental de la police de l'Ouest. Après avoir servi au même titre, avec compétence, sérieux, dévouement, successivement dans l'Artibonite, la Grandance. Je voudrais commencer par remercier d'une façon très spéciale les membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, en particulier le directeur général et son collège des officiers, le haut commandement.
je voudrais aussi leur remercier de m'avoir renouvelé leur confiance pour être placé à la tête du plus grand département du pays en termes de superficie et de population, dans un contexte certes difficile. Je mesure les enjeux et je suis informé des difficultés de toutes sortes. Cependant, soyez rassurés, je vais m'évertuer à ne pas démériter la confiance que vous avez placée en moi. Je salue le travail de mon prédécesseur, le commissaire divisionnaire Alain Auguste, qui a su, pendant son passage, poser de nombreux jalons et en trouver écho auprès des couches sociales du département de l'Ouest. Et dans le sens de la continuité de l'État, je vais m'évertuer à consolider ses résultats pour jouir de la considération qui a caractérisé son passage à la direction départementale de l'Ouest. Je salue toute l'assistance des autorités constituées de l'État qui, par leur présence, viennent rehausser le cadre de cette cérémonie. Mes remerciements s'adressent aussi à ma famille, à ma femme, qui a consenti d'énormes sacrifices pour assurer mon éducation, à mes professeurs et aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. L'organisation LSK n'a fait ça incapable, qui a pour mission de s'accoler à toutes les valeurs, à toutes les forces vives de la nation haïtienne, nous avons jugé bon d'alimenter cette connexion, d'alimenter cette force ici afin d'honorer des leaders éclairés, des leaders qui pensent pour l'avenir de ce pays, étant dans le corps. Ah ben, il faut dire que cette activité se fait dans le but de solliciter aussi à la population haïtienne pour qu'elle soit collée avec le travail que la police a fait dans le pays. Parce que nous sommes capables de remarquer que le monde toujours perd les policiers, le monde toujours qui a tendance pour que vous fassiez fréquent avec les policiers. Alors que la police, dans son rôle primaire, qui ça l'a fait, c'est protection, service. Il a pour protéger et puis servir. Donc, son signal clair que nous voulons bailler aujourd'hui pour que tout citoyen à la ronde badée capable de dire, par rapport avec signal que NSK, organisation d'affaires incapable, bailler aujourd'hui pour que nous, premièrement, respecter les policiers. Respecter le travail que la police a fait dans le pays et surtout dit que dorénavant, désormais, eh bien, la circulation, si ça fait pas nous, si ça fait pas nous toutes dans le pays. Il m'était un plaisir indescriptible, incommensurable de voir hier dans la zone Delma le travail que la police a fait, le travail qu'a fait la circulation. Nèg moto qui va les mettre casse, nèg moto qui va respecter le principe, eh bien, mettez-le sous côté. Je dirais, mais ça, je sentis que ma sécurité, le travail ça a fait. Le travail ça a fait, ce n'est pas courir que je courir moi-même, comme porte-parole de l'organisation LSK. Mais c'est content que je suis content et moi tenu pour que je félicite le travail ça. Je vais demander pour que nous battions un applaudissement pour le cabinet et le commissaire Kabel-Sera. La circulation est un droit. De même qu'on a le droit à l'éducation, le droit au logement, la circulation c'est un droit. Nous avons droit, tout le monde a droit pour circuler. On imagine que vous avez pour le travail, vous avez pour l'école, pas de circulation. Ça, c'est mal. Si vous avez pour arriver à 8h ou arriver à 10h, pas trop après vos cours, ou bien vous ne pouvez pas passer l'examen. Donc, circulation c'est oxygène pays. Donc, ça, c'est pas un cadeau aujourd'hui.
Ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait, mais c'est un devoir pour que nous accompagnions ça qui est bon. Et de ce fait, nous sommes capables de dire que ça, il est entré dans le cadre pour nous capables de centrer sur la formule bail pour ça bail. Nous ne pouvons pas des plaques d'honneur et mérite. Eh bien, c'est par rapport avec ça la police offre. Ça, la police baille. Nous allons bailler. Je demande pour que nous toujours été bon côté de la police, toujours été bon côté de la direction de la circulation et de la police routière. Initiative ça, les prend jeudi. Nous sommes capables de dire que c'est au commandement la police là, qui prend toute initiative ça. Et puis avec tout staff, nous là. Son façon pour nous remercier tous les policiers qui travaillent très dur dans la rue, qui empêchent blocus, accidents, spécialement Gédéon, directeur général de la police nationale. Il a engagé Génio pour faire des remises de plaques avec responsable spécialement et des lettres de félicitations pour quelques policiers dans la juridiction. Son façon pour le cas encourager tout policier sérieux pour qu'il travaille plus pour la population. Parce que nous, là, c'est pour nous desservir la population. C'est fin d'année. Donc, tout policier a encouragé et a content de ce qui a passé là matin. À titre de conseil, la population l'attendait tout, surtout chauffeur qui sont fait un an à chercher la vie mieux pour madame petite. À titre de conseil, moi-même, m'a sollicité. La rue, c'est là la vie de tout le monde. Comme nous avons un Kenley qui le dit, ça le dit exactement. Circulation, c'est la vie. Là où nous apprenons la rue, il faut qu'on sorte pour le faire. Ou pas uniquement mouton machine ou prendre la rien sans pas réfléchir, sans pas méditer. C'est ça qui fait n'a boumé entre nous. Comme responsable pour le soutien dans la direction de circulation, nous sommes capables de nous. DGPN Nash là, le conseil à directeur de circulation, pour une série de mesures dans le cadre pour. Contre insécurité routière pour empêcher accident dans mesure ça yo parmi mesure ça yo il y a des sanctions qui très visées des mesures qui très visées par exemple le chauffeur qui a conduit à un état qui ti chemise ti maillot ti chemisette et qui a fait trafic, qui a été débrayé en quelque sorte. Deuxièmement, nous avons excès de vitesse, nous avons conduite dangereuse, nous avons gros projecteurs. Dans le cadre de police routière, même dans le niveau de police routière, nous déterminons 65 à 70% d'accidents faits, c'est gros lumière que nous mettons devant la machine. Les gens projectent, ils tombent dans le chauffeur, dans l'autre conducteur qui est fascinant. Automatique, c'est accident, c'est campo campo de la grande falaise là. Dans le cadre de police soutien, nous-mêmes dans le service police soutien, nous prenons ça et nous demandons tout le monde. Lumière ça, il faut plaisir seulement, mais déranger tout le monde. Et il fait un peu de monde crier. Et encore, dans le service police soutien là, nous occupons toute route nationale. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et suite. Et de toute façon, ou après tout accident ou diminué. Dans le décembre, on dit que c'est diable, mauvais esprit. Non, c'est complètement chauffeur sur route qui a fait cette vitesse, dépassement dangereuse dans le virage là. Et au niveau de la police routière, nous avons des radars. Nous allons commencer à contrôler le speed sur route, nous allons sanctionner sévèrement. Cérémonie ça,
pour honorer les policiers qui ont un pile service dans le pays. Parce que, pas oublier, chauffeur avec les policiers, ils ont condamné. C'est des gens qui levent plus bonnet et ils rentrent plus tard. Ils ont condamné pour fonctionner ensemble. Et c'est ça que fait au niveau syndical, nous portons tout support nous à messieurs policiers de circulation. Non pas en tant que membre qui fait partie de la direction, mais. Tout en arrière, tout cas, travail de conseil ensemble avec la police pour les commandes qui apportent amélioration au niveau de la circulation. Parce que, premier bagage qui est là, l'étranger débarqué là, il regarde comment la circulation a fait. Premier bagage qui est important, c'est comment on a circulé, comment l'activité a fait. Mais l'important pour nous travailler, pour nous recommander qui a amélioré, pour nous diminuer le blocus. Parce que, pas oublier, nous ne pas faire gaz dans le pays. À chaque fois, une machine a fait 2-3 heures dans le blocus, c'est gaz qui boulet, c'est l'argent qu'a pour jeter. Alors, l'important pour nous honorer policiers ça yo, surtout policiers circulation qui travaillent vraiment, nous pas gagner pour reprocher yo parce que mon pour exemple moi même l'homme a fait supervision dans l'arrière, depuis me dit directeur ah mais tel côté bloqué 5 minutes pas passé surtout monsieur motocyclette yo. Pour l'autre fois comme demander pour nous gros bravo monsieur ça yo parce que yo font gros travail dans l'arrière. Et pas oublier, pays à ces panneaux liés, autant de fois nous avons travaillé pour une poto-amélioration là-dedans, mais il faut que tout le monde joue partition. Autant de fois nous sommes capables de collaborer pour nous gagner une circulation plus ou moins améliorée, c'est nous-mêmes chauffeurs, en tant que représentants chauffeurs là, mais c'est ça qu'on voit, une grande harmonie, toute sa chef de circulation a décidé que le chauffeur là, il fait appel avec nous, et puis nous, Chital parle avec le chauffeur, et puis on a une petite amélioration. Son honneur et son fierté pour moi, pour me capable honorer matin magistrat pour liberté qui c'est monsieur Étienne Louis Jacques qui avait moi et aussi avec un inspecteur qui est Stanley Pierre, son jeune dans communauté pour liberté hein, que journée aujourd'hui on va le mettre en plaque. Pour qui ça m'a remettre plaque ça aujourd'hui hein, c'est parce que nous t'ai gagné en campagne de sensibilisation que nous t'ai commencé à depuis le 30 juin de année ça hein, et nous t'ai marché dans toute ville yo côté nous aller dans fête champêtre dans toutes tes communes yo et nous finis par réaliser et on nous font sondage tout au niveau de 2-3 monde que nous connaît qui marche en pile dans pays en tout te mandé yo qui côté qui t'est plus propre que t'es avec tes plus propre dans ville là moi même tout automatiquement que équipe moi t'est venir tout l'homme t'est la première fois m'était ouais photo de la ville de Fort Liberté moi dit oh regarde comment ville propre c'est ça que t'es premier marqué et même l'homme t'est posté photo yo tout sur page Facebook là moi t'est que tout le monde t'a réagi donc de ce fait m'pas ta été indifférent à tout ça que nous t'es ouais et à tout ça que équipe là t'est fait tout donc moi t'est venir me dit jodi en faut que moi t'a honoré magistrat ville là pour demander exactement qui travail que le fait comment le fait pour qu'embe commune dans propre et lui même tout cap servir de exemple de modèle à tout reste mairie qui en dedans ville. Je vais annoncer tout à tous les amis la presse qui avec à tout le monde qui suit moi tout que nous avons un petit projet que nous allons accompagner et magistrat tout non seulement pour faire plus monde connaît ville pour aller visiter ville tout pour voir qui potentialité qui gagne dans ville pour liberté en tout et pour aussi pour nous capable connaître et comment que jodi que ville ça capable un modèle pour toute reste ville qui dans pays. Donc, je salue les amis la presse et je vais remettre la plaque là à Konya. Magistrat? Non, non. La population nord-est qui est votée dans la commune, spécialement la commune de Fort Liberté, sont fiers pour moi, je suis à la plaque ça. Je dis merci à la population qui a fait un choix moi-même. Non. Je dis à ma plaque dans Fort Liberté avec une plaque d'honneur. Comme une ville qui ne pourra pas travailler avec la République. Je dis à moi dans le bureau, dans le ministère de Tourisme, pour venir recevoir une plaque d'honneur pour la ville de moi, parmi les 10 départements géographiques pays qui ont reçu une plaque d'honneur dans le ministère. Ça. Nous venons prendre plaque ça dans le nom Jean-Jacques Dessalines, dans le nom Toussaint Louverture et dans le nom Bras Antonner. C'est notre rêve, c'est notre objectif qui permet aujourd'hui, hein, après un an, 7 mois, sans projet d'assainissement dans la ville, nous tenir le poids. Avec nos efforts personnels, avec nos moyens du bord, par le sens du dialogue, là,
et c'est comme ça nous convaincre la population, ils finissent par comprendre nous. Avec une grande machine, moi j'ai même avec 6 bourrettes. Ville ça sorti premier lauréat je dis dans ville dans le domaine d'assainissement. Et on était en disposition avec l'université choisie comme magistrat communal. Des jeunes qui en dans capitale là qui dans différentes études dans différentes universitaires qui étaient déplacés payer machine pour aller voter ça. C'est pas là, c'est pas un regret, son vote que nous déprend au fond, nous détourner le bas en termes de service. Et c'est l'occasion pour me profiter de saluer tout le monde Fort Liberté qui a suivi moi là dans la télévision, dans la presse, télévisé, écrit et parlé. Et ça, c'est toi qui la chaladé. Parce que je ne vais pas oublier passer des salines sur la garnison qui te dit que tous ceux qui veulent faire l'esclavage du français, mais sort du fort. Mais tous ceux qui veulent mourir en homme libre, c'est range autour de moi. Maintenant, je suis des salines. Et tout ça, il dit avant de parler pour l'éternité à Fort du Jour en France, en me renversant. Et on m'a battu avec Saint-Domingue, qui est le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, qu'il repoussera par ses racines parce qu'ils sont profonds et nombreux. Moi, ça a touché moi, je cause par le fait que c'est la caille, moi. Je t'ai redigé acte d'indépendance pays d'Haïti. Moi, je voulais date ça, officialiser, si vous n'avez pas voulu bailler parlementaire, mais vous avez un orgueil de patriotisme pour permettre qu'ils font une petite proposition de loi dans le Parlement. Puis doté de juste ça pour nous, 28-29 novembre 1803, cette date où tu es rédigé à la Fort Liberté. Quand tu as lu Axa au Gonaïve, 31 décembre 1804, 1er janvier 1804, sur la place d'âme de Gonaïve, Axa a lire, quand tu as choisi Gonaïve comme axe pays qui a réuni le territoire national. J'ai une chance de l'officialiser. Mais côté avec la première chance, il a traité un peu en cours jusqu'à date. Il y a un message par le président de la République, par M. le parlementaire, chambre basse et chambre haute, pour faire connaître le Nord-Est, après ils vont dire qu'on va qui est purement légal, qui est purement du droit, font gens, gardez date ça pour nous, si ce n'est pas traité nous par rapport. Parce que ville là, vous mettez à penser qu'on y a. Nous voulons tout secteur qui voulait aider nous, nous backup pour nous la pipe. Surtout dans le tourisme, fort, nous sommes forts là. Nous souhaitons que mon Ibakonel connaît le monde de jour, on se joue dans le web ça. Son fortune que le pays a gagné la donne. C'est le fort liberté qui est là quand même. C'est la raison qui fait que nous avons un gars qui pousse avec nos moyens du bord, nous tenons ça d'une manière propre, d'une manière sociale. Parce que nous avons un rêve. Nous voulons quitter nos notes en cours de Saline, qu'à cause de Saint-Louverture, qu'à cause de Chamaï Péral, qu'à cause de Grand-Antonnerre. Je dis merci à tout le monde qui a participé dans l'élection de Calvote maintenant, mais ça vote la poti. Il y a une plaque d'honneur pour la ville de Fort Liberté. Nous sommes là, divers par l'âge et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence même de son caractère d'homme humaniste. L'amour de la médecine et l'amitié pour les malades. Monsieur le secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, Monsieur Gérard Auriol, Messieurs les membres de la CUNOAF, Mesdames, Messieurs les membres des OPH, Mesdames, Messieurs, on est réunis aujourd'hui et Saint-Vincent a voulu apporter son mot, son témoignage, parce que c'est à travers cette institution de l'Église épiscopale d'Haïti que Dr Gérard Léon a donné toute son énergie, tout son temps et son talent. Nous voulions être là pour apporter notre témoignage au nom de l'évêque Jean Zaché du Racin et au nom de tous les malades que Dr Gérard a opéré et ausculté à Saint-Vincent.
Le nom de Dr Gérard Léon sonne encore à Saint-Vincent comme s'il a été le seul orthopédiste à travailler dans cette institution. Une de nos résidentes, Maï Carmel, elle est âgée de 52 ans. Elle a été opérée par Dr Gérard. Docteur Gérard opérait les mardis. Il auscultait les malades le mercredi et prenait connaissance des radiographies les jeudis. Ce type de médecins comme Docteur Gérard Léon, ils sont rares ces jours-ci. Gérard Léon faisait partie des docteurs No, des docteurs Martin, des docteurs Ariel Henry, des Monsanto, des Frédéric et des Alain. Docteur Gérard Léon faisait du bénévolat pendant tout le temps qu'il a passé à Saint-Vincent. Il prenait son temps pour écouter. Il était rigoureux, disponible. Il ne comptait pas non plus ses heures. Il finissait de travailler quand il aurait fini de voir tous les malades. Madame Léon exerçait son ministère de secrétaire au Centre Saint-Vincent auprès de la fondatrice du centre, Sister Joan Margaret. Je suis sûr que c'est par son entremise que Dr Gérard Léon a fait ses premiers pas à Saint-Vincent. Cependant, Dr Léon s'est emballé bien vite et a bâti son domicile à Saint-Vincent jusqu'au soir de sa vie active. Si on pouvait trouver d'autres Gérard Léon facilement, Gérard Léon favorisait la confiance du patient dans une relation personnalisée et empathique. Le docteur Léon était une grande figure de la médecine orthopédique depuis le début de sa carrière professionnelle. À Saint-Vincent, nous devons à Dr Léon la construction de notre salle d'opération. Et ceci, la salle était très bien équipée. Mais malheureusement, nous l'avons perdue au passage du tremblement de terre. La présence de Dr Léon et ses argumentations ont toujours été exemplaires, avec une gentillesse rare. C'est aussi sur la base des propositions de Dr Léon que la sœur John a bâti et organisé le foyer où logeaient les garçons. Dr Léon était un homme discret, courtois, toujours disponible aux échanges et au partage. Docteur Léon repose en paix en attendant le retour du Seigneur. Septembre 99, ordinairement Cuba a toujours fait un symposium international des orthopédistes. Deuxième jour symposium, il y a un médecin qui est le Ricardo Alaves, qui dit, ah, un orthopédiste haïtien qui est dans ce symposium. Souvenir de l'incident, il a bien aimé, oui. Et puis vraiment vrai, dans le lendemain, je suis allé dans l'hôpital Franc-Paris, pour le symposium qui a fait là. Et puis moi, Chita, c'est un amphithéâtre. Je Chita, et puis ça l'a chargé avec le médecin. Nous ne pouvons pas imaginer combien tous les médecins du monde tapent honoré. Docteur Gérard Léon, standing ovation dans la salle. Tout médecin campé pour saluer, pour mettre chapeau bas des femmes. Laisse me sentir ému. Et l'homme qui a rencontré la presse symposium, il n'a pas pensé qu'elle t'a pour avec nous. Il a bon un accueil qui était vraiment chaleureux, qui t'a fait me sentir. C'était avec un citoyen vraiment qui humaniste la qualité extraordinaire.
Le docteur Léon mourit 3 décembre 2012, m'bat en Haïti. Ça fait mal en pile. Mais c'est lui-même avec nous qui nous tout qui là. Parce qu'en pile dans nous, un jour ou l'autre, tu es ausculté ou bien docteur Léon te consulté. Même je n'en capable. Et l'un d'une possibilité pour que nous rendions hommage cet après-midi, hein, nous pensons que c'est un hommage bien mérité. Ça a été plus que 3 jours, malheureusement, je fais toute possibilité depuis vendredi pour me dire si sa fille est née, Jacques-Émile Léon, qui est présente là avec moi. Malheureusement, je n'ai pas arrivé à contact avec elle. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour que une famille soit présente là avec nous. Mais nous-mêmes de la famille du secteur handicapé, nous comptons force, nous comptons capacité, nous comptons tout ça que Père François parlait là déjà, qu'il te fait soit dans Saint-Vincent ou encore à l'hôpital général ou dans d'autres institutions, je n'ai pas besoin de retourner sur encore. Une fois de plus, nous dit docteur Léon, fais chemin, mais œuvre, humanisme, ça que tu fais dans ce secteur, pas jamais mourir. Moi, je suis convaincu que docteur Léon vraiment t'a quitté trace. Et il m'a marqué passage. Il a vraiment t'a montré solidarité avec les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont plus vulnérables dans la société. Et pour ça, on a vu un gros coup de chapeau pour lui. Mais nous souhaitons tout que le passage du docteur Léon et l'engagement que le docteur Léon a montré vraiment auprès de mon handicap et auprès de la société en général, inspirez-nous. Inspirez-nous pour nous investir nous dans la cause humanitaire. Parce que moi, j'ai remarqué, et de plus en plus, malheureusement, les gens ne peuvent pas faire volontariat dans le pays. Les gens ne peuvent pas engager. Et parfois, même les gens volontariat, il faut qu'on tire les transports. Il faut que vraiment les gens jouent un petit avantage. Mais volontariat, m'a dit nous, c'est un engagement social lié. C'est un engagement pour une communauté, pour une cause. Et il supposé aller au-delà de l'intérêt personnel. Donc, m'encourager nous tous qui là. Et nous tous captons nous tous pour vraiment engager nous dans la communauté, nous appuyer des causes nobles, tant que cause mon handicapé, cause timoun, pour vraiment que nous sentir que nous capables de quitter trace tout, nous sentir que nous avons un positif dans la communauté nous. Parce que chaque monde qui l'a, a une capacité, a un bail positif qui est capable de porter dans le pays. Donc, m'encourager nous pour vraiment engager nous dans la communauté, nous, même gens que le docteur Léon fait, pour permettre que les gens qui sont plus faibles, les gens qui ont besoin d'assistance, les gens qui ont besoin d'un petit bourrade dans la vie, capable de bénéficier de bourrade ça. Donc moi félicite Konoaf pour l'initiative ça, vraiment qui mettait en valeur et docteur Gérard Léon qui réalisait un travail noble pendant un passage du sous-terre et nous encourager tout le monde fait pareil.
porter plein appui nous à mouvement ça qu'a fait là en activité éducative et nous capable dire éducation plurielle nous capable voir même dans maillot et jeunes qui là yo élèves yo n'a pourrait par exemple rallye jeunesse de l'eau rallye jeunesse de l'environnement de la protection civile etc. donc qui ont dimension plurielle donc jodi a en 2017 nous pensons que l'école là lui-même il doit faire ton l'autre gens il pas qu'a fait gens était toujours fait dans pendant plusieurs années. Donc en 2017, il faut qu'il y ait pile d'autres bagages qui entrent dans l'école pour être capable de sensibiliser la jeunesse là, notamment tout le monde qui est dans l'école, même ça qui est dans l'école, à question et changement climatique, à question environnement, à question l'eau, à question droit de l'homme, etc. Donc c'est dans ce sens ça, et nous, et avec la Commission nationale haïtienne, et bien nous gagnons de coopération avec l'UNESCO. Il y a pile d'activités qui fait et nous avons ça lui-même qui se rallie jeunesse de l'éducation pour un développement durable. Et bien, c'est une activité qui peut réunir toutes les jeunes dans le pays qui sont dans 10 départements qui mettent tête ensemble pour faire passer un paquet de belles idées puis être capable de tout sensibiliser l'autre jeune, même ça qui parle dans le rallye, puis être capable de suivre l'idée. Ça. Donc, c'est une sorte de, nous capable de dire, une sorte de forum et de formation nationale. Et bien, côté jeunes, ils peuvent prendre bon gens connaissances, ils peuvent sensibiliser l'autre monde tout et ils peuvent en même temps tout former tête davantage sous un dalle bagaille qui doit entrer dans le domaine de l'école. Nous, là, dans le cadre de lancement rallye de l'éducation et développement durable. Donc, moi, c'est un bagage qui est extrêmement important. Je ne veux dire, pas qu'à parler de développement durable sans nous pas parler d'éducation. Donc, éducation, c'est un bagage qui est primordial. Donc, je dis, nous parlons arranger nous pour nous bailler éducation importance li gagner dans société a pour nous arriver vraiment avec question développement durable. Donc rallye la fête année ça c'est Gantier la fête c'est sorti 17 pour arriver 21 décembre 2017 là et monsieur Kessler bien-aimé qui est chargé pour parler en fait de qui ça rallye y est il va dire nous qui ça qui gagne dans rallye qui ça qui va gagner pendant 4 jours ça yo et que me penser jeunes yo qui appelé qui sorti dans 10 départements pays qui va vraiment bénéficier des activités si là autour de thématique ça yo et ces thématiques sécurité et humaine et la paix problématique la paix comme rêve pour on vivre et ensemble durable et dans le monde et gestion conflit et en la société yo et égalité des sexes c'est autour de thématique ça yo et rallye ça après le dérouler en ce sens gagner des sous-thématiques par exemple pour nous capable atterrir avec programme là gagner la question de biodiversité ça veut dire il veut dire c'est faune et puis flore c'est tout organisme vivant. Parce que question, Jean-Président Sodinoua, c'est comment nous sommes capables de mener petit nous, petit nous, participants, participantes, comprendre la problématique ça. Parce que de toute façon, Terre, planète là, en danger. En ce sens, depuis 2005-2015, et à travers l'ONU et l'UNESCO, lui-même qui a un travail, mise en place, programme ça, pour gestion programme ça, implémentation, nous avons question développement durable, l'IPALI plus. Dans ce sens, la question du développement durable, là, la dimension socio-économique vient poser. Dans ce sens, ça, en dans réserve, la selle, côté rallye en pral déroulé, la selle, son réserve de biosphère, Commission nationale, là, et via et Commission nationale là, et l'UNESCO, finalement nominé et payant ses premières réserves de biosphère gagnées. Dans ce sens, ça, li à l'honneur, réserve la selle, là, depuis 2012, Haïti gagne. Dans ce sens, ça va dérouler. Qui ça va la donne? Il y a un lac à Zuei. Qui ça va la donne? Il y a un tout caïman. Qui ça va la donne? Il y a un jardin botanique. Là. Qui ça va la donne? Dans le jardin encore, il y a un sous-abet. En ce sens, si ça va la donne, et si les participants, les élèves, justement, ils vont garder la problématique. Ça. Nous avons DPC, direction et protection civile, qui va accompagner nous, justement, dans l'observation des risques dans la zone. Ça. Par exemple, dans la rivière et la Stik, par exemple, dans le lac Azuei, il y a des problématiques qui posent, il y a des vulnérabilités, souvent qu'on entend et lac la montée, changement climatique, etc. Comment les problématiques sont soulevées dans l'habitat de Simonio à travers des experts qui nous interpellent, qui sont multidisciplinaires, qui peuvent accompagner sur ce site-là pour pendant une semaine, c'est-à-dire entre depuis dimanche, rallye à Plancé, le 17, jusqu'à jeudi matin, la fini. Pour nous poser ensemble de problématiques ça.
c'est dans le cadre de lutte contre la désertification. Et c'est une convention des Nations Unies et qui gagne environ 195 pays. Souvent, ils sont réunis pour partager des idées. Mais nous-mêmes en Haïti, pour ne pas apparaître et après l'activité ça, nous sommes obligés de marcher dans la même ligne de base avec tout l'autre pays. Je dis, attirer ça, c'est pour valider des documents qui étaient réalisés. Et depuis des années, il y a des experts qui ont travaillé sur les données, sur la dégradation des terrains en Haïti. Et ils sont arrivés et présentés des documents. Et nous-mêmes, nous avons des cadres qui sont dans plusieurs ministères. Ils ont même qui ont questionné le programme. Ça veut dire, intérêt, ça, non seulement nous permettre de gagner plus d'informations sur le programme, et lui permettre de travailler sur un lit de base pour nous offrir la convention, pour nous dire, mais ça ne vrai. Ce n'est pas eux-mêmes qui viennent poser. Nous, c'est nous qui pour prendre l'idée. Nous faisons synergie entre plusieurs institutions pour nous dire, mais côté nous voulons arriver. Quel est le public cible dans le cadre d'atelier ça? Et nous avons le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, UNICEF, ONGO, GIZ et l'autre entité, comme le CNGS, qui travaille dans le cartographique. Et ils ont même et pour réviser le cadre et bal et disons et comment élaborer, donner, est-ce que les données sont fiables, et puis pour nous-mêmes, pour nous avancer. Il y a plusieurs autres cadres dans notre institution qui viennent. Intervenant, c'est qui est-ce que c'était? Bon, c'était la directrice générale du ministère de l'Environnement et un consultant qui est Sébastien Kionès, qui est sorti dans le bureau régional, et moi-même qui est directeur forêt et énergie régionale du ministère de l'Environnement, et en tout qui est nouveau point focal pour la convention. Après, nous avons réfléchi sur et document ça, qui suite qui va le porter à lui-même? Bon, document ça, nous allons faire ajustement la donne et nous décrit zone et prioritaire, basse version prioritaire, pour nous savoir quel type d'intervention. Intervention, pour le faire non seulement à travers des programmes, des projets, et nous allons écrire convention pour nous connaître quel type d'intervention et comment Haïti a bénéficié à partir des documents, à partir des informations pertinentes que nous avons là, pour nous jouer des actions durables pour nous avancer. Au niveau de CSPJ, pas quoi nous te fait aucune pression sous lui. Le juge yo te fait grève yo, nous pas dans discussion que nous te gain avec le président. Nous te dit que t'es justifié parce que juge yo pas gain suffisamment de moyens. Mais c'est pas pour te nommer juge. C'était pour que dans budget yo te prend en considération revendication ou demande que CSPJ te fait pour que te gagne plus moyens pour doter tribunal de plus matériel, pour doter juge de plus et manière ou mobilier pour que yo travaille correctement. Et à ma connaissance, pas de pression que te fait parce que suite à toute discussion ça yo, nous te gon rencontre avec ministre la justice, avec ministre finance qui d'ailleurs te signé un accord avec le CSPJ et autorisé par le chef du gouvernement. Et jusqu'à présent, en dépit de nos demandes, jusqu'à présent, il n'y a pas de mettre sous pied commission ça. N'a pas gardé pour nous promesse qui a été fait jusqu'à présent, il n'y a pas de mettre. Donc, là, on parle de pression, on ne peut pas de ça, on ne peut pas de ça. L'on chita signé un accord, pas de pression. Juge que vous renouvelez, liste 75 personnes que vous avez bail président, depuis novembre 2015, le président Martelly a parti, vous êtes à peu près en quarantaine. Le président privé a fini, quantité a augmenté parce que c'est des juges que le mandat est fini. Il faut que vous renouvelez. Et le président, ça a arrivé, eh bien, quantité a encore augmenté, qui fait que de novembre 2015 à date li bay et nomination yo, li bay commission yo, ça te fait presque 2 ans que des mandats juges t'es périmé ou pas renouvelé. Ça son premier groupe de juges. Bon deuxième groupe de juges, t'es gon cinquantaine de dossiers qui t'es devant commission certification. Et groupe de dossiers ça, cinquantaine de dossiers ça, CSPJ bail public là
quantité que yo joine qui méritait certifié rete dans système là, gen yon quantité qui pas mérité rete dans système là justement parce que enquête que yo fait montrer que yo pas mérité rete et gen quantité tout que yo poko fin fait enquête sou yo. Donc c'est deux groupes séparés que président l'a parlé al mêlé tout. Donc qui mettait un peu plus de confusion que ça mérité gen. Donc peu importe sentiment individuel ou sentiment personnel ou sentiment collectif, pour les besoins de la société, nous obligés à collaborer. Et nous t'a aimé que le président dit qu'il regrette ça le dire. Nous t'a aimé que le président admette avec nous que son faux pas le fait. Et me pensais que c'était grand s'il le fait. Mais pas des gens que nous-mêmes, de notre lieu, nous capables d'obliger le faire ça. Nous capables tout simplement exprimer tristesse nous devant des propos qui désobligeants et des propos qui fait nous-mêmes en tant que citoyens mal, nous-mêmes en tant qu'institution mal, nous-mêmes en tant que corps de l'État mal, parce que c'est l'État qui fait mal. Mais nous pas capables de faire. Et nous obligés de chita avec lui. Nous t'as trop content s'il arrive dans l'aéroport et puis dit on fait une réunion de travail tout de suite pour remettre les pendules à l'heure, pour nous remettre tout bagaille, et ça nous pas fait, nous bral fait le poilier. Toute promesse qui était faite, qui signe dans l'accord là, que le ministère finance demain matin dit, comment nous t'es passé déjà, oui, pour véhicule, nous t'es dit, nous pas informé, nous, nous pas répondre à la demande nous t'es fait, mais nous suivre et au fait, nous t'as content ça, parce que pour la nation, pour la population, c'est ça que t'as pibo. Dans l'occasion Journée internationale des droits des migrants, qui célèbre le 18 décembre de chaque année, GAR renouvelé solidarité à tous les migrants qui gagnent à travers le monde. C'est une journée qui lance une occasion pour couper tous les préjugés qui gagnent à l'égard des migrants et pour mettre accent sur la contribution sociale, économique et culturelle dans le pays côté oyé. Alors, Assemblée générale des Nations Unies t'es choisi date ça pour marquer adoption convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants. Nous connaît que c'est une convention qui définit un cadre juridique pour protéger droits des migrants parce que migration c'est un phénomène mondial. D'ailleurs, ANESA Nations Unies déclaré choisi terme migration sans danger dans un monde qui bouge pour montrer que c'est un phénomène qui a longtemps, qui existait depuis l'année des temps et qui a toujours existé. Et selon chiffres et Nations Unies, il est estimé à environ 250 millions de migrants internationaux qui éparpillés à travers le monde. C'est un phénomène tout qui touche nous en Haïti. Puisque nous connaissons une grande partie de la population qui vit à l'extérieur, et selon des estimations, l'y évalue à plus de 3 millions d'Haïtiens qui vivent en dehors du pays. Dans ce sens, GAR voulait attirer l'attention parlementaire haïtienne sur la nécessité pour ratifier la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Parce que c'est une priorité. Et un argument nous montrer qui fait que c'est une priorité journée jeudi, c'est parce que c'est une convention que Haïti signait déjà. Nous déjà font un premier pas. GAR profiter occasion ça pour saluer GESA et lui encourager le finaliser pour ratifier puisque l'IPOCO vraiment qui ont valeur contraignante. Alors ratification a montré vraiment volonté Haïti gagné pour définir un cadre protecteur pour respect droits migrants. L'issue en priorité parce que nous connaissons Haïti son pays des migrants. C'est vrai que en pile pays paraît très accueillant pour migrants haïtiens, mais en pile tout côté racisme avec discrimination très haut. Ça fait que yo subi des actes d'abus, de violations de tout genre et aussi de discrimination. Alors yon tel document a permettre que nous-mêmes organisation droits humains qui a fait plaidoyer
pour respect droit migrant auprès de pays ça yo montrer nécessité tout pour yo même yo signer convention ça. Mais son bagage pour servir avec, précaution. Donc, projet Samuel là pour introduire plusieurs tablettes qui sont tablettes qui permettent de purifier de l'eau, qui permettent de traiter de l'eau ou même pour une garantie, pour une assurance que l'eau soit boya, n'est pas porteuse de maladie, n'est pas porteuse de la mort. Compagnie ça fait Puritabla, c'est Medentech. C'est une plus grosse compagnie qui investit plus l'argent dans le traitement de l'eau. D'ailleurs, elle exporte vers plus de 60 pays dans le monde. Ça, c'est pour me parler de qualité produit ça qui est le Puritabla. Pour qui ça introduit, évidemment, parce qu'ils ont besoin pour lui, parce qu'ils ont urgence pour lui. L'urgence, ça c'est d'abord pour traiter de l'eau, mais là, on y a, on a présenté un produit qui, à part qualité de paléa, on a essayé de mettre la proximité de maximum population. On a essayé, en plus, on y a un prix abordable, un prix qui n'est pas excessif, qui est capable de permettre que les bourses modestes, les gens qui paguent l'argent, soient capables de servir avec. Parce que, quand on dit là, chaque fois qu'un bon verre d'eau va boire, il faut poser une question ça, est-ce que l'eau a traité? S'il n'est pas traité, ma danger, petit en danger, madame est en danger. Lorsque le chef en foyer, il faut avoir une conscience, il faut avoir une responsabilité ça, que famille, c'est ça le plus important, santé famille, c'est ça le plus important, il faut protéger. Il y a une façon qui plus sur yo, c'est Puritabla là, et c'est lui même que n'a présenté jeudi là, c'est lui que nous allons introduire sur marché là, et m'espérer tant pour qu'à côté d'ya n'a on porte parole de nouvelle ça, parce que son nouvelle qui concerne toute population, parce que quand même quelque part la presse vient pour le voir d'informer, et nous toujours dit ça de former également. Donc ça c'est une conscientisation de la population pour se protéger
contre les malheurs à venir et les malheurs que l'eau peut entraîner. Nous avons deux formats. Nous avons un format 17 mg dans lui-même qui traite, qui c'est une tablette pour un gallon d'eau. Lui-même qui traite un grain de gallon d'eau. Et puis nous avons un format 67 mg dans lui-même qui traite 5 gallons d'eau. Et nous avons, comme M. Kavete dit, nous avons un prix qui est très abordable. Donc, boîte ça qui est 50 comprimés, lui-même, il vend 75 gouttes. Donc, pour 50 comprimés, 75 gouttes. Et puis, boîte ça lui-même qui est 100 comprimés, vend et 150 gouttes. Donc, ça veut dire que pour 15 gouttes, on a construit de 10 tablettes. Il y a 50 gallons de l'eau la caille pour 15 gouttes. Donc, c'est ça qui était très important pour nous, c'était permettre que on monde. Pour 3 dollars, 3 dollars, qui est en train de 50 gallons de l'eau et assurer santé famille, assurer que l'eau la boue la caille, il y a l'eau la servi la caille, il y a l'eau petite, il y a boue la l'eau potable. Comportement injustice au regard de la police a fait ensemble de agents dans la police là et parallèlement les nous et policiers sont victimes face avec bandits nous ouais sécurité a c'est venu pour bandits et nous même nous dénonçons ce comportement ça malgré mauvaises conditions que policiers a travaillé nous remarquons qu'il a fait injustice ces raisons ça je dis là nous montons au créneau dans le mouvement MPN groupement liberté pour ça changer ça achète nous venons placer tête nous comme syndicat de la police pour nous dénoncer comportement moun sa yo en dehors de la police là. Mouvement, ça c'est un mouvement pour que nous-mêmes nous prenons l'initiative dans Pétionville. Pour montrer clairement que nous-mêmes, nous te bataille et c'est si pour tout respecter votre nous. Et pour comprendre tout, pour comprendre tout le bagaille, pour que le président lui-même spécialement, la paix ensemble des bagailles pour montrer clairement tout, que face avec la situation pays ATIA, lui-même la prenait changement. C'est ça le mouvement. Non, souci pour nous montrer que le pays a avancé. Ok? Nous faisons marche pacifique dans le cadre pour nous montrer jour que nous avons voté. Nous avons voté pour changement. Nous avons voté pour démocratie. Nous n'avons pas voté pour craser et briser. Nous avons voté pour nous faire un autre pays pour nous faire vivre à l'aise. De là, nous sommes obligés de prendre l'arrière pour nous montrer que nous avons supporté le gouvernement. Mais comme ça, tout, nous avons un message que nous avons envoyé par le président. Tout le monde qui prend l'arrière dans Pétionville, je dis, je prends l'arrière pour une pile raison. Première raison, c'est ça qui a fait là, côté que parfois oublié. Le vrai président connaît que vous êtes là. Il a supporté, il a continué à supporter. Et puis toutes conditions simples pour nous la fête, pour nous faire route là ensemble. Et demander tout le monde de suivre exemple ça. Vous voyez que nous tous nous dans la rien, nous ne pas écraser, nous ne pas briser, nous ne pas dans deux autres. Nous voulons pour la démocratie donner dans le pays.